nous renforcer l'État. C'est travail pour nous bailler l'État faillite. C'est pas travail, et pas notre travail pour nous attendre ça, nous avons dit, ça nous avons critiqué, parce que les promesses de campagne, eh bien, lui aller dans ça que nous croyons dans les promesses de campagne. Non. C'est le monde qui croit dans les promesses de campagne non. Et qui croit dans l'idée de côté là. On a matérialisé dans les faits. Et pour finir par rendre compte que les promesses de campagne, ça y est, était sorti dans la bouche de l'idée qui n'a pas bluffé le peuple là et qui a bâillé le peuple la vérité sur le côté de l'humain des pays. L'unité, la solidarité, l'entente parfaite, c'est ça qui doit commander le comportement nous. En tant que responsable d'État, en tant que sénateur de la République, en tant que député du peuple, en tant que président et parlement, en tant que exécutif et pouvoir judiciaire. Moi, je dis nous toutes merci. Mais nous-mêmes, nous avons 25 millions de gouttes sur le budget que nous mettons comme fonds de développement départemental. Et en plus de ça, nous avons un sénateur Dieu Pitou qui a 25 millions de gouttes sur le budget. Dans l'argent, ça. Là, nous montons l'hélicoptère, nous mettons d'accord. Pour nous faire tout ça avec. Pour que nous prenions l'argent, ça. Pour nous mettre ensemble. Pour nous faire comme il veut. Zoranger, qui t'en promesse. André Labidou, qui te promesse. André Cavaf, qui te promesse. André Monchir, qui te promesse. La Mangu, qui te promesse, en d'un Baïa, en d'un Démontreuil, qui te promesse, pour nous continuer, mettre, faire, avec l'argent, pour continuer route la montagne, pour chavirer sous brésilienne. Et après ça, nous allons continuer, mettre avec des vidéos, pour nous prendre l'argent, pour nous faire caniveau, dans Villeux. Parce que le département sud-est, ce n'est pas Jacques Mel. Le département sud-est, c'est Jacques Mel comme commune, mais c'est l'autre neuf communes qui gagnent dans le département. Nous n'avons pas besoin d'un département qui croit encore. Comme quoi, ou bon Jacques Mel va t'enfler. Je salue les amis, délégué ville là qui l'a, que vous remercie. Son chef qui est là. Et délégué a été supposé monter là tout. Mais le délégué a prononcé, s'il vous plaît. Avec permission, président, permettre que nous fassions chef de ville là, qui sont délégués ville, monter là. C'est lui chef de ville là. À côté de Marissa, qui est le personnel de ville là. Mais c'est pas la personnalité de ville là. Mais délégué ville là, c'est chef lui et tout. À l'idée de là, à les amis PAM, eh bien, solidarité, ça nous va faire. Qui ça, président, pour maintenant? Président, pour maintenant, pour que tout côté, nous allons mettre en plate, en usine, qui a fait asphalte, en deux débattements sud-est et la localiser sous balance. Pour que le produit asphalte et tout côté qui gagne caniveau, eh bien, pour le président lui-même, avec l'équipe gouvernement, le bal mettre asphalte pour nous asphalter tout côté qui gagne caniveau. Ça veut dire qui ça? Tout côté nous gagne comme nous-mêmes, que ce soit dans le fonds de développement communal, que ce soit dans le fonds de développement départemental, eh bien, il faut que nous mettions comme ça, pour nous faire caniveau, pour nous faire drainage, la finie pour nous dire, président, viens mettre asphalte pour nous. Nous ne sommes pas capables de passer sous silence. Nos amis qui là, qui viennent aujourd'hui à gagner doit passer sénateur. Mais ils ont été demeurés aux amis. Je vais parler de sénateur et de Zeni. Nous saluons sénateur et de Zeni, à côté de la foule là. Mais nous sommes là, nous saluons lui, ses amis PAM. Et
ce travail ça pour nous faire. Nous prenons deux et nous allons, et puis nous coupons la coupe paternelle, nous dit sud-est, on garde devant. Monsieur, dame qui vient avec certificat nous, côté nous d'apprendre conduire, en Jean-Louis, m'a dit nous ça, pays ça, son pays qui méritait pour bal espoir. Ça, son gros symbole qui fait là. Et m'a des caméras pour garder ça qui fait là. Des jeunes qui viennent avec diplôme, ils ne pas venir demander là. Ils ne pas venir donner 1000 gouttes là. Ils sont venus pour venir montrer diplôme, que apprendre des choses, ils viennent demander travail. C'est ça que nous cherchons dans le pays. Ça veut dire, moun t'a dirigé le pays ça. Parce que le pays n'a pas dirigé par le président seulement. Je ne voulais pas la élite là aujourd'hui. Moun ça yo pas reconnaître aujourd'hui. Jeunesse là, c'est lui-même qui a venu le pays. Je sénateur Lambert Odil. Le président aujourd'hui. Mais qui est-ce qui connaît le nouveau président? Ce n'est pas dans le temps où il a sorti. Ce n'est pas dans la jeunesse qui a venu le nouveau président a sorti. Ça a dit aujourd'hui, moi m'a dit nous ça. Pas jamais oublier ça. Que jeunesse pays. Élite économique là, élite intellectuelle là, élite politique là, jeunesse pays là, yo même, c'est pour nous connaître que l'avenir, pas nous, c'est dans mes yeux. C'est ça que fait. Moi-même, m'a dit nous, je crois que jeunes, parce que pas oublier, équipement yo, yo m'a dit pile technique, en pile expérience. Il y a des expériences, nous, il y en a beaucoup rien. Maintenant, programme, non, nous parlons de ton programme de stagiaire. Nous parlons ça avec le ministre déjà. Un programme de stagiaire qui pour faire jeunes commencer à entrer en stage dans l'opération gros équipement. Qui pour faire que les opérateurs qui étaient là déjà lui-même, les fins font tant pas les voiles pour quitter pour jeunes garçons avec jeunes filles qui viennent travailler. Je profite et félicite. Et remercier gros artiste ça yo parce que moi ah bon bat même on disait petit frère sénateur Lambert il dit monsieur petit frère qui fait grosse compacteur ça et ça avec papier mâché que le fait moi ouais en pile belle masse là moi connais que moun Jacques Mel c'est nous même qui plus fort dans pays à dans bagage ça c'est nous qui plus fort. C'est nous qui fort. Je connais le carnaval la fini comme là dehors, mais je ne parle pas à la ministre. Pour le ministre, servir avec nous parce que nous avons un travail. Ce n'est pas jouet qui là. Il y a des artisans qui travaillent dans le niveau ça. Je salue la presse locale. Je voulais parler de journaliste Jacques Melio. Journaliste qui travaille dans la radio, ça qui travaille dans la télévision. Je dis nous merci. Merci parce que je me songeais dans la campagne. Comment la presse te qu'on accueilli bon interview l'a passé dans la radio. Je dis à ma demande nous même accompagnement ça. Dans l'effort nous avons fait pour nous si équiper le département sud-est. Je connais que nous même nous là pour nous veiller. C'est nous qui jouons le peuple. Mais je dis à comment se veiller avec bons yeux pour nous équipement, pour nous faire travail peuple, pour nous aider l'État. Sous route changement ça nous voyons que l'État savent les mettre pays pour nous aider pour nous capable mettre l'État sous route changement tout bon vrai moi connais que pays a tout problème nous y a problème éducation problème santé problème environnement problème agriculture mais m'a dit nous ça jodi pour volume problème nous y a faut nous bon méthodologie pour nous résoudre et c'est ça que fait jodi. Nous citons sur un plan qui est priorité 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons presque 7, disons 9 priorités aujourd'hui. C'est ça que fait aujourd'hui, nous travaillons pour que le problème route la résoudre. Après le problème route la, pour un bon problème courant, pour un bon problème environnement, ministre environnement qui fait paraître là, pépinière que nous fait dans toute direction. Départemental environnement, ça veut dire chaque département pour avoir un gros pépinière qui fait 4 500 000 pieds bois chaque département sud-est qui tête l'État là pour servir nous et c'est ça que je dis depuis le premier jour
depuis le premier jour, je commence dans la campagne là, jusqu'à aujourd'hui, qui fait un an, 11 jours sous pouvoir, c'est même mal à la main. Demain, maintenant, Nip, Map Miragouane, Mbalbaï, même quantité d'équipement nous là. Samedi, maintenant, Grand, dans le sud, Mbalbaï, même quantité d'équipement. Aéroport Jacques Mellam, nous parler de lui, pendant un hélicoptère, sénateur Lambert, sénateur Dieu, puis t'as expliqué, je ne comprends pas. Il a dit que bon étude qui fait, qui pour faire que l'aéroport est dans l'autre sens. Ce n'est pas même dans le sens ça, puis cela est agulier. C'est dans l'autre sens pour lier. C'est ça que le sénateur a dit. Mais pas qu'on ait étude là. Pas qu'il réponde pour me répondre, nous, pour me nous mentir. Je vais parler avec AAN, ministère de la République, là, pas oublier AAN, c'est sous compte, premier ministre qui là. Yo même yo pas le comment que étude qui était faite sur l'aéroport Jacques Mellam pour regarder pour connaître si son étude qui faisable si faut le refaire encore pour nous ça pour nous faire pour projet aéroport Kazek yo là moi salut que pas oublier qui ça qui section communale yo nous songeons de recevoir toute Kazek dans palais national dans mois janvier. Nous devons recevoir nous et nous te faire parler nous. Jodia, moi là, c'est pour me dire nous, faut nous collaborer ensemble. Délégué ville, Kazek, Azek, magistrat, député, sénateur, moi-même comme président, c'est pour nous faire seul. Son seul pour nous faire. Parce que c'est pour ça demander coordinatement dans le forum des élus. Le 21 février, c'est le forum des élus du Sud-Est. Tout Kazek, Azek, magistrat, député, sénateur, yo tout palchita ensemble, délégué Villio, palchita pour nous commencer à pas de priorité. Parce que vous ne pas oublier, nous venons parler de route intercommunale. Sénateur Lambert, vous parlez de pile rue sous communion. Mais il y a l'autre priorité toujours. C'est pour ça que forum des élus, forum des élus après le fait pour que. Nous tous cita ensemble pour nous dire, mais qui problème intercommunal yon fin fait pour équipement ça yon pour le travail, parce que pas yon équipement pour le camper, non, yon camper, non, c'est SP, attendez, 100 KP. C'est ça pour souffrir, SP, pas yon équipement pour le camper, non. Ça veut dire c'est 7h du matin pour 5h de l'après-midi, 7h du soir. Pour 5h du matin. Parce que c'est Parlement, c'est une bonne loi sous 3 chiffres là. Les autres bonnes 3-8 là. 3-8 là permettent nous de travailler. La journée qu'on a nuit. Équipement pour occuper nous. Équipe, nous n'avons pas de travail. Faites dedans. Mais on équipe à travail la journée. On l'autre équipe à travail le soir. Parce que directeur de battement dans la, Gauthier a fait. Moi, je suis dernier bail. Gon affaire de 3 lumières. Gon lumière verte, gon lumière jaune, et puis gon lumière rouge. Directeur départemental, aujourd'hui, il y a sous lumière verte. Là, il dit tout directeur départemental a fait net. Il y a sous lumière verte. Mais 3 mois après, l'emmini m'a joué 25 km de route qui est en PC. Comment j'ai fait? Laisse ça, directeur, sous lumière jaune. Non, mais? Directeur, sous lumière jaune. Après 6 mois, je tourne, je vais jouer 50 km directeur à la lumière. Qui lumière? Bon, ça veut dire qu'on y a. Directeur de battement d'alors là. Roger Guao. Parce que moi-même, je ne vais pas payer mes peuples là. Je même son mandat pour moi. Moi-même, je promesse moi de faire. Promesse, c'est dette. Ça travaille nous, même pour promesse, moi respecter. C'est 4000 km route dans 4 ans, 1000 km par année, 100 km par département, pays a 10 départements, multiplié 100 par 10, niveau 1000, multiplié 1000 par 4, bon, 4000 qui est dans le pays, 4000 km route, bien fait dans 4 ans. EPPNS, depuis arrivé à Tetli, nous mettons-nous au travail. D'abord,
nous avons un programme, c'est-à-dire un projet de renforcement institutionnel, c'est-à-dire pour nous donner le PPRS à travers 10 départements géographiques PIA. Avant moi, c'est en 3 départements, nous avons, c'était l'Ouest, Sud, Nord. Quand nous avons un bureau dans le Nord-Est, un bureau dans le Nord-Ouest, un bureau dans la Tibonite, un bureau dans la Grand'Anse, un bureau dans le Nippe. Nous avons 2 départements, c'est le département centre et le département sud-est pour nous couvrir tout le pays. Parce qu'on a 4 caravanes de changement que le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a initié le mettre sous pied et qui a fait un pile de travail dans la Tibonite et dans la péninsule sud-là, c'est le département sud. Grand'Anse, Nip, nous connaissons caravane dans tout le pays, dans 10 départements. Et bien nous connaissons le logement social, son bagaille, son priorité lié, parce que nous connaissons tout le pays sous-développé, comme Haïti, il y a plus que moitié de population qui n'a pas accès à un logement décent, qui n'a pas accès à aucune infrastructure sanitaire. Et bien, pour nous capables vraiment atteindre l'objectif développement durable, yo, eh bien, logement social là, ils sont priorités. Et c'est 11e point, dans 17 objectifs qui viennent pour développement durable là. Eh bien, président Jovenel Moïse, gouvernement Moïse Lafontaine, ils comprennent ça. Eh bien, il a encadré le PPLS, il a baillé le PPLS, ça a besoin vraiment pour permettre que nous atteignions l'objectif ça. Eh bien, nous connaissons que dans la péninsule sud-là, c'est le département sud Grand'Anse NIP, président de la République là, il est sur nous pour construction de 2000 logements, surtout après le cyclone Mathieu, 3 départements ont été dévastés en pile, et travail ça a déjà commencé déjà, et dans le fond rouge, Ira, Roseau, Corail, et dans le Jougbalville, là, nous avons notre commune, tant que nous, en Chambela, Abikobombo, et pour nous atteindre toutes 13 communes qui viennent dans le département Grand'Anse, et plus de 100 logements qui sont en construction là, et il y a une majorité qui termine déjà, et nous allons avancer, et d'après les bandes, nous continuons à bailler l'autre logement encore dans Fort Rouge. Nous n'avons pas avancé avec travail ça pour répondre à besoin de la population. Là, nous prenons par exemple, dans l'autre département et tout, dans 4 caravanes de changement, chaque logement par eux, des dizaines, des milliers de logements qui ont pour construire. Et pendant le reste mandat du président Jovenel Moïse, en pile des et des milliers de logements à construire. Par exemple, et la promesse qu'a fait le président, il dit policiers qui vont construire Kaibouyo. Et bien, dans Delma 33, en face du commissariat, nous avons un terrain déjà qui a déclaré d'utilité publique pour construire son logement. Nous avons l'autre partie de terrain encore là, qui est plus de 10 carreaux de terre encore. Nous sommes là qui va déclarer d'utilité publique pour permettre de construire son logement pour les policiers. Et nous avons un terrain cinéaste là. Tout, qui a une belle quantité de terrain, qui est environ 4 à 5 carreaux de terre, que nous avons construit logement pour les policiers là-dedans. Après ça, nous avons, par exemple, dans la zone côté de l'école professionnelle Cité Soleil, le président m'a donné tout pour construire le logement tout là, environ 2000 logements pour construire là. Et quand là, nous avons l'autre projet là, nous avons l'équipe hiver là, qui est la mondiale là, qui se fait un gros exploit là, et qui vient ça là, qui qualifie l'équipe ça pour mener le mondial là, eh bien, le président de la République là, lui passe une instruction pour nous construire pour tous les parents. Et nous avons commencé le travail déjà, nous rencontrons avec Jean Zayo, avec le président de la fédération, Dr. Dadou, nous rencontrons avec le secrétaire général à tout, et Carlo Masselin. Eh bien, nous allons rencontrer, dans le jour qu'il y avait avec les parents, nous allons là quand même
pour nous voir côté de terrain, ou bien côté de la nous pour nous joindre, ou bien ça qui est qui mérite la réhabilité, tout ça qui est pour nous faire, pour nous permettre, comme besoin de dire, pour tout parent qui nous a eu, gagner un caille, gagner un logement décent, avec toute infrastructure sanitaire. Parce que je veux savoir, Timon Sao, qui se fait gros travail ça là, qui mettait vraiment Haïti sous ce qui est mondial là, dans le football là, nous Haïti a cité fort pour du monde là, pour Yvan là, eh bien, je veux dire là, le président voulait encadrer Timon Sao, pas seulement car il a baillé par eux, mais tout le monde pour Timon Sao. Travail fait vraiment pour demain va regretter te jouer te faire plus sacrifice pour te mener équipe ça dans coupe du monde. Alors nous gain en pile travail qu'a fait au niveau de BLS et que nous gain intérieur rouge voilà mettre il y a eu 2 mois de ça nous sont bail 424 logements dans intérieur rouge voilà mettre. Alors et BLS a travail parce que nous connaît logement c'est un élément stabilisateur pour le développement humain. Dans tout projet de cité, par exemple, pour Théo-Vaname, ce projet Finéa, il y a une fait déjà, mais pour 2000 logements pour péninsule sud là, nous commençons avec eux, et l'hypoco en phase finale, mais nous commençons avec eux, on va avancer. Et puis pour le projet, pour construire ce policier, au coin des terrains, les déclarer d'utilité publique, qu'on y a ces préparations qu'on a faites pour terrain, pour préparer terrain, et puis pour appel de financer, pour finir gain, pour faire construction de logements policiers, pour le café. Et puis pour tout le projet autour, c'est concerné autour. Par exemple, on connaît que l'on a un terrain déclaré d'utilité publique, mais il y a un processus qui vous suit pour terrain disponible, ça pour travailler demain. Et quand on a qui sous tout pays a qui lancé la connaît là, et bien on connaît ça va dire 7 février, car on a généralisé dans tout pays à tout projet. Problématique du genre en Haïti. Pour terminer,
leurs propres armes de bouc. Mais plus encore, je les encourage à s'approprier la matière intellectuelle des Lumières féministes. De ce fait, je vous invite à fréquenter assidûment ce centre de documentation. Bref, faites-en votre second plaisir. Encore une fois, félicitations et merci à la ministre de la redynamisation de ce centre de documentation sur les questions de genre. Désormais, le centre de documentation nous permet de faire une brève historique du MCFDF pour mieux le situer. Créé par le décret du 2 novembre 1994, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est une institution à caractère normatif et transversal chargée d'appliquer, d'orienter, de faire respecter la politique du gouvernement en vue de contribuer à l'émergence d'une société plus viable et plus égalitaire. Dans l'objectif d'accomplir sa mission, le ministère dispose d'une structure organisationnelle composée de l'ensemble de directions, d'unités et de services, notamment un service de documentation et de gestion des données. Ce service a pour mandat principal de conserver tous les types de documents sur la problématique de genre et toutes les formes de production sur l'histoire des femmes haïtiennes. En outre, il est un espace d'accueil de tout public désirant de s'informer sur les données disponibles autour des sujets diversifiés sur l'état de la situation et des conditions de vie des femmes dans le monde et en Haïti. Au cours des ans, divers noms lui ont été attribués et des modifications ont été apportées dans son organisation et modalités de fonctionnement, dépendamment des contextes et des nouvelles approches d'intervention du MCFDF. C'est ainsi qu'on a eu, de 1994, de 1997 à 2001, le service de documentation et de recherche, de 2001 à 2004, le service de recherche et de développement humain. Ces modifications se focalisaient sur les formes de demande du public et des besoins d'augmenter les capacités d'offre de services en matière de recherche sur le genre. Elles sont liées aux différentes formes de compréhension de la vision du ministère. En 2004, ce service a été considéré comme une entité fondamentale dans la généralisation de l'analyse sur le genre. Ainsi, il a été désigné sous le nom de Service de documentation et de gestion des données, l'actuel SDGD, rattaché à la direction de la prise en compte de l'analyse selon le genre. En 2010, suite au tremblement de terre, le ministère a constaté un certain enthousiasme de la population estudiantine à rechercher des efforts. Il a été décidé d'ouvrir en 2013 un centre de documentation sur les questions de genre, une nouvelle structure qui doit être introduite dans la loi organique, puisque c'est le SDGD qui est inscrit dans cette dernière. Ce centre a pour mission fondamentale d'accompagner et d'orienter le public dans la recherche sur le genre. Il est chargé de mettre en application la politique de recherche et de documentation du ministère, qui doit permettre à la dite institution de constituer une base de connaissances scientifiques sur la problématique de genre en Haïti, ainsi qu'au niveau régional, voire international. Cependant, face aux contraintes diverses, cette structure n'arrive pas à remplir la mission qui lui était dévolue et offrir un service approprié et de qualité. Les demandes de données sexo-spécifiques récentes
d'ouvrages, de rapports d'études, d'enquêtes sur le sens, la redynamisation du centre de documentation est devenue un sujet de préoccupation du ministère. Mais elle doit être une démarche collective, car le centre est un bien public au service de la population, ce qui fait de lui un bien commun. L'appui de tout un chacun est donc nécessaire. Pour mieux desservir le public cible intéressé à comprendre les rapports sociaux de sexe, il s'avère incontournable de procéder à des évaluations permanentes qui peuvent aider le centre à développer de nouveaux outils conformes aux besoins exprimés. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication deviennent indispensables. L'intégration d'Haïti à la société moderne autour de la thématique genre requiert l'accès à l'information de qualité, l'innovation dans la collecte des données sexo-spécifiques, le leadership collectif dans la production des données fiables sur les rapports de genre et des modes de vie des femmes, la capacité à produire et surtout la mise en évidence de notre culture et de nos capacités physiques et intellectuelles, source inépuisable de créativité et de richesse vers le développement durable. Journée porte ouverte pour la redynamisation du centre de documentation. Pour qui ça, redynamisation centre ça, c'est parce que, en fait, le ministère l'a constaté, peut-être que nous-mêmes, nous avons beaucoup en même temps avec nous, nous avons constaté ça, que de plus en plus, il y a un pile monde qui est intéressé par la question de genre. Le ministère là depuis création en 1994, en dans une direction qui est la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, qui est encore des PAG, l'instituer ou bien l'instaurer en dans une entité qui occupait de questions de documentation selon le genre, documentation intégrée. Après le tremblement de terre là, en 2010, le ministère là était censé perdre toute saleté gagnée comme documentation dans ce centre là. Et alors que nous remarquons de plus en plus chaque jour, en pile étudiants, étudiantes qui ont fini, que ce soit en dans l'école normale supérieure, que ce soit en dans ethnologie ou bien dans l'autre faculté, ils ont besoin de recherches, besoin de documentation sur question de genre. Or, nous connaissons, ministère conditions femmes et droits femmes, c'est entité qui est responsable pour faire atterrir politique égalité gouvernement en matière d'égalité de genre. Donc, grâce à support USAID, grâce à support femmes en démocratie qui viennent journée aujourd'hui, renfort nous dit que faut que nous relais public là, étudiants yo, anciennes étudiantes et nouvelles qui qu'on vienne faire recherche, qui qu'on besoin documenter, mais yo pas qu'on joigne assez d'éléments, donc nous dit journée aujourd'hui, faut que nous relais pour qu'on retourner pour nous dire journée aujourd'hui centre là renforcé et que li prête pour qu'on joigne par exemple les matériels que ministère là OK gagne les et puis les documents officiels de l'État aussi. Par exemple, on regarde sous table là nous gagne politique d'égalité que l'État haïtien a adopté depuis 2014, OK, nous gagne là, nous gagne plan égalité en tout, nous gagne politique d'égalité. En même temps, nous gagne en pile ouvrage que les chercheuses haïtiennes, les poétesses, monde qui a écrit, nous disons que journée aujourd'hui l'eau là sous table là, donc c'est ouvert au public, tout le monde qui est intéressé à c'est à politique égalité nous disons et centre de redynamisation ça li ouvri à eux-mêmes nous prête pour nous cap recevoir pour nous cap documenter au centre là pour nous cap venir faire recherche mission attribution là sous table là donc c'est ouvert au public tout le monde qui est intéressé à politique égalité nous disons et centre de redynamisation ça li ouvri à eux-mêmes nous prête pour nous cap recevoir pour nous cap documenter au centre là pour nous cap venir faire recherche mission attribution là sous table là donc c'est ouvert au public. Tout le monde qui est intéressé à la politique égalité, nous disons, et centre de redynamisation, ça, li ouvri à eux-mêmes, nous prête pour nous cap recevoir, pour nous cap documenter, centre là, ouvri pour nous cap venir faire recherche. Mission, attribution.
tout public, je ne saute dire là. Tout d'abord, nous avons un pile étudiants, sciences humaines, ethnologie, école normale supérieure, des gens qui font recherche en genre. Vous comprenez? Qui intéressé, qui besoin de information. Donc, tout li ouvri à eux-mêmes, des chercheuses. Ok? Et puis, en même temps, tout nous dit que toute production officielle de l'État, toute production officielle ministère l'a fait tout. Donc tout le monde qui besoin au cap leur venir vous présenter on pensait que vous bon identification quand même qu'a dit mais qui est souillé. Donc à partir de là on jeune des monde qui cap orienter suivant ça que besoin. Terme de mission attribution qui ça va être. C'est pour nous cap bailler tout le monde qui besoin. Tout le monde qui est intéressé des informations sur la question de genre, sur la question d'égalité des sexes. Puisque nous disons que l'État haïtien a adopté depuis 2014 une politique d'égalité. Il y a des gens qui ne connaissent pas qui est cette politique d'égalité, qui est ce qui est dans eux. Donc nous disons tout ça, c'est ça fait nous mettre tout ça là, tout ouvrage ça disponible pour tout le monde qui a besoin, qui besoin pour qu'il vienne jouer. C'est ici que nous avons besoin. Parce qu'en fait, puisque c'est nous-mêmes qui ministère conditions formelles de la femme, tout ça qui gagne un regard, qui ça qui concerne égalité des sexes, qui ça égalité entre femmes et garçons, donc nous disposons la canon journée aujourd'hui, c'est tout le monde qui est intéressé qu'à venir jeûner. Est-ce que nous passer de dictature à la démocratie. Symboliquement, oui, premier sac fait, il a changé couleur de rapport. Deuxième décision, première décision, c'est retirer comme à coup là, parce que Duvalier était créé en contre le VSN, volontaire de la sécurité nationale, et c'est une manière pour des relations de proximité avec paysans. Et tout le monde, c'est chef, on va toucher pour ça. Mais debout, c'est quand on m'a coûté là pour veiller, pas quitter mon bas le gouvernement mal. Si il y a une invasion, quel que soit, il faut rapporter ça, ou bien il faut combattre, etc. Il y a crasé comme à coûté là, il y a une liberté d'expression, le parti politique doit évoluer, et nous faire une nouvelle constitution. Mais, nous ne pouvons jamais faire la transition démocratique. À noter que nous disons, ce n'est pas une révolution parce que pas de bonne direction unifiée. Il y a des opposants à Duvalier à l'extérieur, des opposants éparpillés et en Haïti, mais pas de bonne direction unifiée pour dire retirer le pays là, pour le mettre là. Et c'est conséquence ça n'a payé jusqu'à présent. Quand en 1990, moi j'étais impliqué dans l'avènement du président Aristide au pouvoir, le programme du FNCDMD, on a un dirigeant au côté de Tunep Delpé, regretté mémoire, et de Maître Victor Benoît, le programme politique du FNCDMD était de faire la transition démocratique. Ça n'est pas les transitions démocratiques. Nous sortons d'un système de dictature qui était un système où des gens ont un petit groupe qui contrôle tout le régime. Là, on doit passer dans la démocratie. Bon, transition pour faire, pour qu'on retire le régime dans un système où c'est le monde qui a décidé, pour mener dans un système où c'est l'institution qui a dirigé. Le fait que le travail ça n'a pas jamais fait, nous tombons dans l'improvisation. Nous laissons frapper qui bon nous en 32 ans 19 gouvernements 5 coups d'état 17 conseils électoraux provisoires alors son seul pour nous gagner et avec tout ça caractérisé par l'absence de prise en charge de gestion pays en 1986 nous avons environ 6 millions je dis à nous environ 11 millions selon les chiffres. Nous évoluons sans aucune planification. Nous avons une bande de communautés qui tournent communes. Nous n'avons pas bâti de nouvelles villes. Et les grandes villes, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caï, Saint-Marc, ils ont évolué, Jean-Noué a évolué. Nous avons tombé dans le processus de racheter jardin, planter Caï, sans aucune planification. Et il n'y a pas aucune qui pour produit pour nous manger, nous mettre caille sous yo, j'en ouvre anarchiquement. Nous pas respecter voie de pénétration. Et puis nous venons tourner une société de débandade. À côté de ça, il y a des bagailles qui changent dans la société à tout.
n'y a pas mettre président en fonction de volonté d'un petit groupe. Ça, tout quoi, ben, du pouvoir. On est capable de dire que les différentes personnes qui se sont succédées au pouvoir à la présidence d'Haïti, ce n'est pas l'Américain qui mettait eux. Ce n'est pas la bourgeoisie traditionnelle qui mettait eux, ce n'est pas l'armée qui mettait eux. En commençant par le président Aristide, si vous avez mis un monde, si bourgeoisie, l'armée, les Américains qui ont choisi un monde, ce n'est pas lui qui ont choisi. Vin gagner une volonté populaire qui ont déjà affirmé. Un peu la même chose avec Préval. On ne peut pas dire que c'est bourgeoisie. Il bénéficie des concours de circonstances. Et plus tard, on est capable de dire la même chose pour le président Martelly. Quel que soit ce qu'il a reproché, mais il y a un concours de circonstances. C'est comme si le peuple a décidé. Il y a des moments que le peuple décide. Mais ça ne suffit pas de décider. Il faut qu'on organe qui a mené des décisions vers la transformation. Autrefois, et 40 ans, 50 ans de ça, Patap Jean Mougonnet qui sont tout du Nord pour venir président d'Haïti, même s'il était une popularité. Parce que faut que l'armée était par bénédiction, faut que l'Américain te dit Mopal, faut que la bourgeoisie et traditionnelle là, t'es d'accord. Alors, bon bagay qui change en termes de manifestation de la volonté populaire, mais pourquoi traduit en sens réel d'amélioration de conditions de vie. Il y a plus de monde aujourd'hui qui gagne accès à l'éducation. Même si nous plus, mais il y a plus l'école, il y a plus le monde qui est formé dans le pays. Bon monde dans bon place là. Alors, l'aime parler de relève de qualité, puis gros malheur qui arrive nous, c'est arrêter à responsabiliser l'autre monde. Vous devez vous dire pas de bon et tel pas de bon. Commencez à poser peut-être nos questions et nous-mêmes. Ça nous pourra le faire parce que nous avons responsabilité pour nous-mêmes. Et pas peur, essayer pour nous échouer. Et je finis sur ça. Quel que soit grand joueur football qui gagne sur la planète là, il a shooté plus ballon dehors que ballon de goal. C'est à faute de persister, de shooter, on finit par faire goal. Et ça fait chaque Léon fait goal là, il est content. Et m'a fini net sous une réaction que j'ai fait à la dernière conférence moi, au Cap Haïtien, dans le Café Philo, sous le même sujet ça. Il y a un jeune qui posait une question. Bon, 32 ans, qui j'aime qualifier. Succès ou échec? Je me dis, pile audace pour me dire que c'est succès, puisque la réalité est là. Son échec. Il faut m'assumer son échec, puisque ce n'est pas une question de retirer du valier, c'est pour nous dire qu'un pays qui marchait plus bien. Ce n'est pas le cas. Il dit, mais est-ce que ou même on va faire partie échec là? Ma réponse. Lorsque joue dans l'équipe, dans un match de football qu'a fait, on marque 3 goals. Équipe où a perdu 4 à 3, ou fait partie échec là. Merci en ville. Son activité, d'après ce que dit, académique. Mais puisque nous traiter de questions politiques là-dedans, lui nos actualités ou lui nos activités, nous dit para-académique. C'est-à-dire nous profiter de date 7 février, qui représentait une date historique dans l'histoire contemporaine, nous, pour nous permettre que étudiants qui ont fait théorie, qui ont appris la politique, la diplomatie par la théorie, aient l'occasion de rencontrer un homme politique que, dans la coordination générale, c'est dire que moi, m'a dirigé, nous pensons que c'est un témoin et un acteur de la vie politique haïtienne qui était capable d'interroger, donc nous choisis Evans Paul et qui vient répondre aux questions. Nous pensons que son exercice qui permet de mieux comprendre la réalité politique pays, qui permet de mieux comprendre l'histoire récente d'Haïti des 32 dernières années, de la fin de la dictature à la recherche de la démocratie que nous la donnons toujours. Et nous remercions Evans Paul comme ancien premier ministre, ancien homme politique, ancien opposant politique à Duvalier, etc., que l'a accepté, vient faire exercice ça avec étudiants, qui posaient tout type de questions, puis aussi mieux comprendre l'actualité et réalité politique pays, mais tout situer Mounio dans le contexte actuel que nous vivons là. Ou même en tant qu'homme politique, dis-nous, 32 ans après, quel est-ce que tu fais de pays par rapport avec le passage de dictature à la démocratie? Je pense que nous avons un processus qui est long, qui est difficile, qui est houleuse, mais nous pouvons arriver à la démocratie. Je pense que Evans Paul reconnaît ça tout lui-même comme un acteur, ancien dirigeant, ancien premier ministre, etc.
Et la seule difficulté, enfin la grande difficulté, c'est que bon, impatience de la population pour que les promesses de la démocratie arrivent en réalité pour eux. Parce que lorsque vous dites faut nous finir avec dictature parce que dictature n'est pas bon et que le peuple a fait sacrifice d'accepter un changement de régime pour arriver dans la démocratie, mais il n'y a pas ouais. Qui sa démocratie a apporté pour lui. Nous t'en pile question ça, que ce soit de la part de étudiants qui a posé question, mais tout de la part de monde dans la population. C'est vrai que il y a une liberté d'expression, une liberté de la parole, une liberté politique, nous avons la partie politique que vous voulez, mais et la réalité de la vie qui va changer pour le monde qui est mal, qui est pauvre. Nous pensons que ce processus là long et li, da doit interpeller le monde qui a fait politique dans le pays pour nous dire on fait un effort pour nous vivre vraiment vers la démocratie. Pas seulement qui garantit la liberté, mais la démocratie qui vient changer la vie, la santé, l'éducation, l'organisation de l'état de l'espace public. Nous manquons, fait effort pour nous vivre là-dedans. 32 ans après, Evans Paul considéré comme un échec. Moi, la même sens avec lui, son échec que lui, même si nous avons gardé, nous avons partagé responsabilité dans l'échec ça. Qui est-ce qui gagne pour tes responsabilités dans l'échec ça? C'est une autre analyse. Donc, 7 février 1986, 7 février 2018, ça fait 32 ans depuis que le peuple haïtien était levé campé à travers une mobilisation exemplaire qui couche dans la société et qui était rassemblé tout presque toute région paysan pour te dire non à la dictature, pour te dire que la dictature sanguinaire 29 ans, ça faut que l'Ikaba. Donc 7 février 1986, c'est une grande victoire populaire. C'est un moment extrêmement important dans la construction nationale là. Et c'est au moment qui était arrivé mettre doigt à terre une dictature qui est plus féroce dans le continent. 7 février 1986, il était fait contre dictature, mais il était fait tout contre impérialisme, contre domination impérialiste. Il ne faut pas oublier que tout mouvement populaire qui était levé campé après 1986, il a dit à bas plan la mort, à bas plan ajustement structurel, à bas privatisation. Et 7 février 1986, tout, c'était non seulement fini avec dictature, mais c'était tout changer l'État. Parce que un problème fondamental que nous avons dans le pays, c'est que nous avons l'État qui déclare la guerre à pays, qui déclare la guerre à nation. Donc, c'est l'État antinational, antipopulaire, et qui travaille contre l'intérêt nation. Et c'était un moment tout extrêmement important. Côté que le système politique haïtien est sous exclusion, la situation mettait les gens sous côté. 1986, le peuple haïtien dit nous la donne, nous sous terrain politique, là, nous devons exprimer nous, nous devons organiser nous, et nous sommes acteurs politiques que nous devons considérer lorsque nous prenons décision politique. Donc, nous avons dit quatre éléments fondamentaux ça, dans 7 février 1986. Contre dictature sanguinaire, contre impérialisme, changer l'État et affirmation que le système politique qui est sous exclusion n'est pas qu'à continuer. Nous la donne, nous douer sur cette politique. Évidemment, à partir de moment ça, nous pourrons voir que nous n'avons aucune chaîne offensive pour craser le mouvement populaire ça, et pour avoir une offensive féroce vers notamment des occupations militaires, à travers des coups d'État, à travers insécurité programmée avec différentes formes de zinglins d'eau, à travers programmes d'ajustement structurel, à travers corruption, développementisme. Et écraser institutions paysans, écraser économie paysan. C'est tout arsenal ça qui est levé pour freiner le mouvement populaire dans la course et pour ne pas capable vraiment atteindre l'objectif que l'était fixé. 32 ans après, il est important que nous songions ça, 7 février 1986, l'antévé l'a dit. 32 ans après, on voit que il y a des avancées importantes qui sont faites. La construction ou nouvelle culture démocratique. Dans le pays, hein. Il y a une évolution extrêmement significative au niveau de culture politique sociétaire. Hein. Et je dis, un peuple haïtien, pas accepté fait bac. Président Jovenel et Moïse gagnent un an depuis que le gain accès à pouvoir public là. Donc, a dit que le gouvernement est plus mis accent sur le caravane. Pour avoir fait un travail au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de TPTC et au niveau de l'environnement. Un caravane qui a commencé dans l'Artibonite, qui fait environ 3 à 4 mois dans l'Artibonite, selon un pile monde dans l'Artibonite qui peut être un résultat
qui peut-être pas un résultat tout à fait satisfaisant. Au niveau des canaux qui arrivent irrigués, quantité de terre, que nous sommes capables de poser accès pour les produits la donnée. Avant ensuite aller au niveau du département de la Grandance, département Grand Sud. Et nous voyons que les résultats qui baillent, qu'on y a caravane lancée au niveau national, nous parlons qui impacte que le gain, est-ce que même impact que le gain l'autre. Le travail dans sa zone, est-ce que le pal gain impact ça, l'autre la travaille dans tout le pays. Basiquement, un président Jovenel là, nous avons regardé qui résultats que caravane a porté, qui travaille qui fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui commençait le travail pour résoudre le problème de monde qui nommé. Qui a gagné l'aide de nomination dans l'équipe de Jamka touché. Le ministère a continué de travailler pour résoudre le problème. Professeur qui est en salle de classe qui pourra gagner nomination. On a remarqué le travail qui fait tout, pas vraiment de façon totalitaire au niveau de la santé, mais il faut qu'on fait. Au niveau de corruption, on a dit que le gouvernement a commencé à lutter contre la corruption dans le pays. Il y a environ, selon le président, 27 personnes qui sont en prison. Pour des cas de corruption, des institutions qui étaient qu'on a changé chèque, même de façon illégale, l'institution s'est refermée. Ça veut dire au fur et à mesure, nous ne pas croyons que dans un an, président Jovenel est capable de résoudre tout le problème de l'IA. Nous ne pas croyons que nous sommes capables de nous satisfaire à 100%, mais nous pensons que nous avons avancé vers le progrès. Nous pensons que si il y a une erreur et des manquements qui étaient faits, sentir que le quitter le pays avec notre visage. Ça va être une joie et n'a pas été un projet de l'OSA parce que c'est un rêve nous avons caressé environ depuis 15 ans et la population s'en a souffert. Pour vous ça. Et je dis à, avec un financement Union européenne, nous arrivons à joindre vous ça, côté que la population prend la souffle. Avant ça, pour un monde qui a beaucoup de l'eau, il est obligé d'aller près de 15 minutes pour aller prendre beaucoup de l'eau. Et le monde qui a pris les 20 000, les 20 beaucoup de là, 300 gouttes, 350 gouttes. Je dis à les faciles et les pour aller joindre l'eau, même qui dîner pas avec l'autorité locale, pour aller définir comment ça va le faire. Parce que l'État tout besoin de moyens pour fonctionner. Eh bien, nous avons garanti ce service, nous pourrons le bénéficier et nous avons souhaité que son service durable. Nous-mêmes, en tant qu'autorité locale, nous félicitons le projet A et nous encadrons les gens capables, parce que le projet A, c'est le projet zone, que nous-mêmes, nous encadrons pour la population capable de jouer. Parce que ça, c'est le plus gros problème, nous avons gagné dans la zone. Voyez-je sous yon souple, pas quitter yon de bois et discours. Ça, c'est surtout l'air, que yon cœur qui tourne, pour les gars sous son chaque Samba vous promouté si nous venons la libre bon pour nous. Nous bien contents, nous remercions tout à l'examen, nous remercions ENG qui fait nous projet ça là aujourd'hui. Quelle distance de comme marché pour aller chercher un beaucoup de l'eau et combien propre de comme payer un beaucoup de l'eau? Bon, nous te comptons de la pluie, nous payer 10 gouttes, mais distance de comme marché, nous comme marché à 20 minutes, comme ça pour marcher, pour descendre en bas pour aller prendre, pour nous venir là, nous bien contents. Comment nous accueillons le programme ça? Nous bien accueillons. Parce que l'île entre dans la zone, c'est bon pour nous tous. Nous ne pouvons pas marcher loin encore pour de l'eau. Nous voulons accueillir le projet. Et qui est-ce que nous voulons remercier en particulier? Nous voulons remercier bon Dieu avant. Après, nous remercier l'autorité de la zone. Nous remercier ONG à tout. Je vous remercie.
dans l'occasion de financement projet ça qui te permettre population en jeune d'eau potable à ton genre toilette dans des autres. Mais je m'arrêterai là en créole parce que je ne peux pas vraiment vous parler. Merci donc de nous accueillir ici et que c'est un projet important pour plusieurs raisons. La première raison de ce projet important, elle l'a dit tout à l'heure, parce que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est une première raison. Mais l'eau, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'eau se trouve dans un environnement, parce que l'eau, c'est fragile. Donc, l'eau, il faut la protéger. Donc, il faut un environnement également que l'on protège. Et c'était un autre objectif de ce projet. Et puis, une troisième raison importante aussi, c'est pour que le projet fonctionne, il faut que la communauté, il faut que la collectivité, il faut que les élus qui vous représentent, les CASEC, les AZEC, et aussi les partenaires de terrain, se mettent ensemble autour de la table pour faire un bon projet. Les défis sont considérables. Je parlais avec mon chauffeur tout à l'heure en montant ici, et il me disait, il y a 10 ans ou 15 ans, aujourd'hui c'est les chemins, c'est les sentiers, c'est les infrastructures, c'est les églises qui ont été construites. Donc tout a changé. L'urbanisation s'est faite, la population a grandi. Avec l'accroissement de la population, avec ce développement de la ville, les défis sont devenus considérables, beaucoup plus difficiles. La pression sur l'eau, la pression sur l'assainissement, il est là, il est difficile et ce sont des défis importants. C'est des défis qui appellent des réponses. Les réponses sont compliquées, sont difficiles et elles coûtent cher. Donc il a fallu que le CASEC, avec les partenaires, se mette autour de la table et prépare un projet. Un projet qui soit capable de convaincre. Un projet qu'ils ont mis auprès de l'Union européenne, qu'ils ont voulu nous présenter. Et ils nous ont dit, voilà, on a besoin pour faire ce projet de beaucoup d'argent. On a besoin de 500 000 euros, on va mettre même de l'argent, parce que le CASEC également a participé financièrement avec le projet, et ça a coûté donc 500 000 euros, c'est 35 millions d'euros, pour vous donner un chiffre concret. Donc c'était un projet ambitieux qu'il fallait faire. Il fallait le faire parce qu'il fallait améliorer la qualité de l'eau, il fallait la préserver dans l'environnement, il fallait aussi réduire le temps de transport. Tout à l'heure, j'ai regardé en attendant et j'ai vu tous les enfants qui passaient sur le chemin avec les réservoirs d'eau sur la tête qui allaient faire leur corvée d'eau. Il fallait essayer de réduire cette corvée, la rendre moins pénible. Nous te pas au beignet, au niveau de manger, te gen beignet, pâté rodé et popcorn fresco, ou ambiance que nous mettez pour ti moun yo pour amuser. Moi pense que ti moun dans zone ça, nous connaît que moi te faire activité en décembre là, et me pense que cadre là agréable, moi réalise que grande population qui dans zone là, et me pense pour qui pas pour pas venir tourner là pour carnaval, pour que ti moun dans zone te ca profiter. Amuser de la pour décembre, mais bon activité que m'a planifié pour la rentrée des classes 2018 et c'est une zone que j'ai déjà planifié pour me faire intervention. Le carnaval, je pense que c'est une fête de plaisir que les tous et mon qui a boyo poser quantité que faire sur ta fière, mon qui a conduit pas faire vitesse, je pense que ces messages de prudence sont faits de fraternité, côté tout le monde supposé mêler, tout le monde ensemble, nous faisons youn. Je dis tout le monde joyeux carnaval et je me dis on pose tes frères sous quelque soit que faire l'excès en tout Oh,
activités de maquillage, de face painting et de photoshoot côté que vous fin faire photo et en même temps même côté à yoba ou photo. Et pour nous commencer journée, nous avons commencé avec une causerie et sur le carnaval, comment Noël, comment participation, comment le t'es dans tant longtemps et qui ça nous perdu la donne et comment nous capables de rehausser la culture noire à travers une plus grande activité que le pays a gagné qui s'est fait qui s'est carnaval. Donc et juste âge et photoshoot côté tout mon app enjoy moi c'est à le nous capable sous la cour n'a capable rejoindre et artisio qui en pile là des anciens étudiants de l'art et nous y a des photographes tout. Mais ce qui message direct que nous voulons faire passer à travers activité carnaval et ça dans Yeraïse. Et comme nous tout connaît que Yera c'est une espace qui s'est gardien culture haïtienne parce que nous y a histoire de l'art et archéologie, nous avons patrimoine et tourisme, nous avons le département d'histoire et aussi de la géographie et sciences politiques. Donc ensemble, nous réunis force nous, pour nous vendre et population, pour nous éduquer population, d'ailleurs nous lancer une campagne qui est une campagne d'éducation artistique et culturelle. Donc, nous inviter, c'est une activité qui a duré deux jours. Jeudi, c'était premier juin. Et demain, nous avons un plus gros logo là-dedans. C'est que dans le festival, nous allons recevoir l'équipe et UV1. Côté que nous allons maquiller toutes mesdames pour participer avec nous. Donc tout ça entraîne une campagne de sensibilisation parce que nous avons assisté jeudi à travers un carnaval côté que qui a dénaturé côté que nous commençons à perdre. Parce que nous avons assisté jeudi à travers un carnaval côté que qui a dénaturé côté que nous commençons à perdre identité nous. Donc notre travail à nous en tant qu'étudiants, c'est d'éduquer la population. Eh bien, nous invitons la population à prendre part à travers nos différentes activités. Il y a une façon pour nous capables mieux dire, mais qui c'est qui culture? Parce que nous commençons à perdre l'identité. Donc c'est juste objectif pour une activité comme ça, c'est rehausser l'identité et la culture haïtienne. Ça qui encourage nous à organiser une telle activité, c'est comme si carnaval, je nous ai carnaval à fait tout côté. Chaque l'école, chaque faculté, grand pile l'autre côté qui dit, il y a fait carnaval. Mais là, on est dans le carnaval là, ou juste un petit bail tout simple. Son DJ qui paraît qui a fait son, et la majorité musique pas locale, il n'y a pas haïtien. Donc on est en train de perdre notre culture. C'est pour rehausser l'identité, c'est bien ça. Mon petit voyageur, président, il va le travailler dans tomate. Vous pouvez passer MOP. Vous pouvez cueillir Benmen. Vous pouvez cueillir Citron. Vous pouvez travailler dans le building. Vous pouvez travailler dans le maçon. Mission, tant que je te dis, et tant que je me crois, que toujours crois ça. Mission, gouvernement, c'est pour nous créer conditions pour nous rester dans le pays. Pour les jeunes femmes. Jeune garçon qui a un diplôme, qu'est-ce que pas de diplôme? Nous créons des conditions pour nous faire voyager, mais ce n'est pas parti ou parti. C'est là le combat, c'est là que je veux inscrire avec le président. Et c'est là que je veux supporter le président. Et ce n'est pas sans raison, président. Après près de 8 rencontres que je fais avec le chef cabinet dans le palais national, nous présentons un document qui est le docteur Antoine Joseph, qui est le docteur Alice Dion. Qui est un ensemble d'experts qui sont dans différents pays. Nous allons nous dire, président, avec plateforme, ça nous permet de sous pied, mais ça nous peut pas. Et si nous entraînons ça, que nous nous faisons filo, que nous nous faisons troisième, quatrième, cinquième, seconde, filo, jusqu'à l'université, nous venons travailler nous bas. La condition, ce n'est pas pour partir. La condition, ce n'est pas question d'assainissement. De façon spontanée, nous créons. Non! Condition, c'est pour faire venir des gens qui ont des compétences, des gens qui sont haïtiens, des gens qui ont des capacités pour créer, des gens qui ont transformé matière en d'autres matières pour créer ressources, pour créer richesses. Le mouvement d'Haïti, PPCH,
Koré et encourager caravane changement qui atterrit dans 10 départements. 7 février, Jean-Président République la, Jovenel Moïse, te promet lire. Plateforme politique pour le changement d'Haïti, PPCH, bat bravo la contentement pour ensemble matériel et équipement que Président République la, Jovenel Moïse, mette disponible pour caravane changement 7 février. Et spécialement dans le département l'Ouest là. C'est un président qui a pile fougue avec détermination pour le travail. Parce que depuis notre campagne, il te dit, la mette mounio, soleil là, rivière ensemble, pour mettre manger dans l'assiette peuple là, avec l'argent dans la poche. Yo. Cependant, n'a profité vos messages ça par le président République là, Jovenel Moïse, avec tout le gouvernement, n'a dit yo pas qu'à atterrir avec le programme yo, sans organisation de base yo, sans organisation populaire yo. PPCH a demandé intégration militant yo. Nous disons vive changement, vive Haïti. Nous-mêmes, plateforme politique pour le changement d'Haïti PPCH, nous avons parlé de quantique budget criminel là, pour nous vulgariser à travers la presse. Mais jour de jeudi, mes résultats budget criminel à travers la presse. Mais jour de jeudi, mes résultats budget criminel là. Pour population, parce que sans orientation, sans matériel, pas gagner qui a fait dans le pays. Nous avons gagné dans le mandat, nous, dans la campagne, nous avons gagné 4 ravines, nous avons fait campagne sur yo pour nous traiter. Et la ravine, ça, c'est la ravine Zoyo, la ravine Sévère, Miller et Marchand. Et quand avec Ravine ça pour nous traiter yo pas de matériel. Les nous aller le ministère travaux publics pour nous intervenir nettoyer canal ça yo bassin versant yo pour mettre au clean pour pas bombe commune et déblé. Mais par rapport pas de matériel qui pour te rendre Ravine yo clean. Sur Ravine ça pour avec matériel. Départemental yo gagné dans bureau yo disponibilité ravine ça yo pral clean parce que chaque fois pour m'intervenir dans ravine yo m'bagay matériel tantôt yo prêté matériel yo bon moi matériel yo k'ap fè travail yo vinn lever yo al mete yo matisan al mete yo l'autre côté pour capable porter outil déblosage intervenir ravine yo fè déblosage en Je tiens encore nous venir pour nous dire à président Jovenel, nous ne comprenons pas comment la traité militant à KPHTK, qui te fait 22 mois de campagne avec 22 manifestations, pour être capable d'accoucher pour voir ça. Une campagne qui n'est pas facile. Ou te promettre nous, militants, nous avons gagné 30% de pouvoir. Je dis à côté. Une année après, nous toujours sous béton, à boucan et glace, dans Tifé, jouer mal avec la misère. Pas oublier le slogan, nous c'était nous plus. Nous plus fort, nous plus sages. Il faut que tout le pouvoir by PHTK. Qui dit tout le pouvoir by PHTK, c'est tout le pouvoir by peuple. Et puis nous demandons pour que quelques militants qui viennent fonctionner au gouvernement, tous les flacs qui peuvent monter. Vivions Haïti libre et prospérité pour tout le monde. Mais les conférences, c'est parce que nous disons un an après, nous faisons un an dehors, nous ne sommes pas capables encore. Hier 7 février, nous félicitons le président, les nouvelles cap by bilan, le travail qui est fait pendant un an. C'est vrai, il y a 25 à 30 ans passés, c'est le monde de Jovenel, c'est pas l'antapier. Mais président, c'est bel travail. Caravane, nous féliciter. Mais le résultat, c'est parce que nous sommes militants, à nos genoux dehors. Et nous pouvons pour le président Jovenel Moïse, nous, souvent, nous dehors, nous ne sommes pas capables de terrain encore. Toujours, ça fait que nous disons, président, on le ressaisit rapide, vite, tourner pour voir PHTK.